10 ans après, tu peux faire le constat, très peu de choses ont changé. Ramsey et Renoir, alors si on est toujours des étrangers. J'ai abandonné l'idée qu'ils me perçoivent un jour comme un français. Mais je n'abandonne pas l'idée que l'État français me doit le respect. Je l'ai déjà dit, le respect n'est pas une chose qui se mendie. La dépendance a un prix, souvent trempé de sang sur les drapeaux brandis. Val de meurtre où j'ai grandi, la violence nous heurte, on doit rester en vie. On n'a jamais rien attendu de l'État, alors quoi, on va pas commencer aujourd'hui. S'il y a des bons là, pour la gauche et la droite, ils font du fric en trinac. Pour Sarkozy en passant par Guéant jusqu'à se remettre pour Cahuzac. Et c'est les mêmes qui voudraient faire la leçon aux petits frères qui sont dans la marque. On voit les flics pour mater leur rébellion à coup de matraque. C'est nous qu'ils accusent sans cesse d'avoir pillé le pays. Alors qu'ils tapent dans la caisse, ne font jamais ce qu'ils ont promis. 6 heures du mat, ils envoient les condés défoncer ta porte. Ils se rendent au tribunal en voiture de fonction sous escorte. Ils n'ont jamais connu la crise. Ensuite s'étonnent que le peuple se rebelle, les pourchasseurs arrachent leurs chemises. Y'a pas que les noirs et les arabes, ce sont tous les pauvres qu'ils méprisent. Lorsqu'ils nous parlent de l'islam, ils espèrent que ça nous divise. Quand vous cherchez des solutions, ça se verra. Pour l'instant, vous ne faites que fabriquer des futures mères. Votre mépris du peuple est flagrant, il se paiera. Je vous vois à l'assemblée, on dirait un opéra.